Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture de Candide ou l'optimisme de Voltaire, publiée en 1759. Aujourd'hui, chapitre 23e. Candide et Martin vont sur les côtes d'Angleterre, ce qu'ils y voient. Ah, Pangloss, Pangloss, ah, Martin, Martin, ah, ma chère Cunégonde, qu'est-ce que ce monde-ci, disait Candide sur le vaisseau hollandais. Quelque chose de bien fou et de bien abominable, répondait Martin. « Vous connaissez l'Angleterre, y est-on aussi fou qu'en France ? C'est une autre espèce de folie, dit Martin. Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada, et qu'elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada ne vaut. De vous dire précisément s'il y a plus de gens alliés dans un pays que dans un autre, c'est ce que mes faibles lumières ne me permettent pas. Je sais seulement qu'en général, les gens que nous allons voir sont forts atrabilaires. » En causant ainsi, ils abordèrent à Portsmouth. Une multitude de peuples couvrait le rivage et regardait attentivement un assez gros homme qui était à genoux, les yeux bandés sur le tillac d'un des vaisseaux de la flotte. Quatre soldats postés vis-à-vis de cet homme lui tirèrent chacun 3 balles dans le crâne, le plus paisiblement du monde. Et toute l'assemblée s'en retourna extrêmement satisfaite. « Qu'est-ce donc que tout ceci ?» dit Candide. « Et quel démon exerce partout son empire ?» Il demanda qui était ce gros homme qu'on venait de tuer en cérémonie. « C'est un amiral, lui répondit-on. « Et pourquoi tuer cet amiral ?» C'est lui, dit-on, parce qu'il n'a pas fait tuer assez de monde. Il a livré un combat à un amiral français et on a trouvé qu'il n'était pas assez près de lui. Mais, dit Candide, l'amiral français était aussi loin de l'amiral anglais que celui-ci l'était de l'autre. Cela est incontestable, lui répliqua-t-on. Mais dans ce pays-ci, il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres. Candide fut si étourdi et si choqué de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait qu'il ne voulut pas seulement mettre pied à terre et qu'il fit son marché avec le patron hollandais. Dut-il le voler comme celui de Suriname pour le conduire sans délai à Venise. Le patron fut prêt au bout de 2 jours. On côtoya la France, on passa à la vue de Lisbonne et Candide frémit. On entra dans le détroit et dans la Méditerranée. Enfin, on aborda à Venise. « Dieu soit loué, » dit Candide en embrassant Martin. « C'est ici que je reverrai la belle Cunégonde. Je compte sur Cacambo comme sur moi-même. Tout est bien, tout va le mieux qu'il y soit possible. » Fin du chapitre 23e. Bonne journée. À demain.